La foule se presse au centre de convention londonien Excel pour se rendre au Tech Accelerator 8, l'événement majeur de cette London Tech Week. Les professionnels de la tech du monde entier viennent y présenter leurs services et rencontrer de nouveaux clients ou partenaires. Le salon accueille également un sommet consacré à la blockchain. Hypertrust est une compagnie allemande qui utilise cette technologie dans le domaine médical et l'accompagnement des patients. Avec notre dernier produit destiné aux essais cliniques, nous essayons d'optimiser la chaîne de ravitaillement pour les médicaments personnels, notamment les traitements CAR-T-cell pour le cancer, qui peuvent être optimisés par 3 fois grâce à des systèmes tels que la blockchain. Il y a trop de parties différentes qui doivent interagir et contribuer à des dossiers communs. Donc la blockchain, en tant que technologie, est tout à fait indiquée pour cet usage. En plus de cela, nous avons également une plateforme contre les effets secondaires. Avec notre partenaire Nano4U, nous développons la meilleure plateforme disponible contre les effets secondaires, connectée à un réseau blockchain basé sur des scanners 3D à grande vitesse qui prennent des photos de vrais médicaments, même sous ampoule si besoin, et les assemble dans un code-barre, ensuite imprimé sur le paquet. La London Tech Week, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les aficionados de progrès technologiques. La première ministre Theresa May a elle-même ouvert cette 6e édition, rappelant que Londres accueille à bras ouverts les entrepreneurs du monde entier souhaitant fonder des startups dans ce domaine. Le Tech Accelerator 8, le plus grand festival de technologie d'Europe, attire quand même pas moins de 15 000 visiteurs et démontre par la richesse de son programme que l'Angleterre compte bien conserver sa place de leader dans les transformations technologiques rapides de notre monde moderne. Florian Virgile, Londres, CGTN.